Attention, t'inquiète, l'émission sur le terrain, l'équipe. Un petit jeune. Bon, la noire, il y a deux blondes. Allez, cherche la noire, la deux blondes. Allez, mais 10 euros, c'est maintenant. Allez, la noire, deux blondes. On fait comment maintenant? Choisis. Je suis sûr, sûr qu'on ne prend pas, mais qu'on est, j'en suis certain. Quelque chose ne tombe pas bon, car je suis sûr, sûr. David, explique-nous un petit peu depuis le temps ce qui s'est passé. Bah, j'ai eu 4 enfants et puis ma femme elle essaye de se barrer tous les 6 mois, son métier c'est faire la gueule. Alors bon ben voilà, la gueule n'est pas facile. Hein. Maintenant j'ai 43 ans, j'ai 4 enfants, mon grand-fils il fait une tête de plus que moi, il est en terminale. Ma fille elle est en 5e. Elle se demande pourquoi sa maman met des slips qui sont trop petits. Donc j'essaie de lui expliquer plein de trucs. C'est pas facile. Alors bon, me demandez pas quand est-ce que mon prochain album il sort. J'ai plein de problèmes à régler. Non, sinon. Non, interview vérité. David, interview vérité, t'inquiète, l'émission. Arrête. J'arrête de parler sur ma femme parce que maintenant il y a Dailymotion et il y a YouTube. Et il y a des fois je suis mal de la maison, je dis des conneries. Et puis après on voit ça sur Dailymotion et il y a ma femme qui vient au débriefing. Non, parce que là je fais le beau dès que je suis à 2-3 km de chez moi, mais si ma femme elle se barre, c'est la déprime. Non, mais moi je vois déjà, moi quand j'avais 25 ans, ma femme elle m'aimait, hein, je rentrais chez moi, la bouffe était prête et tout. Hein. Mais à 43 ans, ben c'est plus pareil. J'ai perdu de l'espace dans mon couple. David, si tu devrais nous dire quel est ton morceau préféré de ta carrière, celui que t'as aimé le plus chanter, le plus écrire, le plus faire? Mets ton cerveau sur la position, aïe! Trop de familles sont arrivées ces derniers 35 ans à Paris City pour gagner de l'argent. On leur avait parlé du grand rêve parisien. Sont arrivés ici, ils ont trouvé moins que rien. Dans des bidonvilles, on les a installés. Des maisons en tôle sans électricité pour les faire déménager 5 années plus tard. Une cité plus haute, c'était du désespoir, mais faut bouger. Mets ton cerveau. Et bien ça, c'était un pied. Parce que ça, j'ai écrit avec un pote qui est décédé maintenant. Et en réalité, normalement, il voulait qu'on fasse un truc rap dessus parce qu'il sentait que c'était pas un mec dans la musique. Et puis il sentait que qu'il y avait moyen de faire. Et puis on avait écrit ça ensemble. Et puis bon. Et donc ça c'était un morceau Position High. C'était ça qui commençait l'album Aller leur dire en 93. Et puis voilà. Donne de la musique. La seule chose que je sais faire, c'est tchatcher. Vas-y. Regarde la vie à Paris, c'est faux cop. Regarde les blocs où les noirs sont pas cop. Regarde les blocs où les arabes sont pas cop. C'est fleuré mes registres, regarde la prison full up. Non, on est pas bien là. T'as fait l'armée, mais il y a une chose que t'as fait aussi, c'est un indien dans la ville. Chacun sa route. Chacun son chemin, chacun son rêve, et chacun son destin, des que chacun sa roue, et chacun son... Arrête ça! Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire. C'est Miu Miu. On la connaît. Il voulait niquer Miu Miu, tranquille. Non, franchement, non. Il voulait qu'on le taffe Miu Miu. Miu Miu, c'est un vieux rêve. Non. Dis-nous la vérité. Non, mais j'avoue. Explique, 20 ans, 20 quiches plus tard, un indien dans la ville, d'où ça vient? Miu Miu, c'est un vieux rêve, mais bon. Fantasme. C'est un truc que voilà, c'est, que t'auras jamais, hein, c'est pas grave. Fini, c'est, ça. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai pas honte. Combien en droit d'auteur? Combien? Combien en droit d'auteur? Non, ça paye des clopes. Je vois déjà, il y a des gens à chaque fois que j'arrive et que je chante cette chanson qui me disent arrête de chanter chacun sa roue. Je leur dis écoutez, cette chanson quand même c'est la chanson qui m'a fait acheter ma première maison, alors on va faire avec. Donne de la musique pour le peuple, mec. Non, c'était pas mal. Alors dis-nous, explique-leur, pourquoi. Non mais le problème, mode. Faut dire que c'était la mode en fait. Miu Miu? Non. Là, c'est bon, c'est Miu Miu. C'est bon, t'as compris. En fait, là-bas, tout le monde voulait manger Miu Miu. C'était la mode. Miu Miu était à la mode. Alors, mon petit fantasme, c'était un truc que tout le monde. Non. Non, mais ça me fait penser un petit peu au délire Dieudonné dans Didier. Tu vois le morceau avec Ragasonic.
Ragasonic dans le DJ. Le morceau de Ragasonic dans le DJ. Oui. Et ben, ça me fait un peu penser à ça. C'est un petit peu la mode de venir chercher dans la musique actuelle qui était de l'époque, tu vois, qui passait en radio. Une certaine mouvance commerciale. On peut le dire. C'était une mouvance commerciale. Ouais, 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 t'étais à fond dans le business. Et puis t'es dans le fond dans le musique Attends. Business. Faut manger. Non mais. C'est non. Un message. Non mais Miu miu. Non. Non mais c'est sûr que après quand. Je sais pas. Mais à mon avis, tu veux que je te dise un truc? Dis-moi. Raga Sonic avec DJ. Ils ont pas dû gagner autant qu'avec Chapeau Sarou. Je vous l'avais dit. Bon, j'arrête. Le gars, c'est heure du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct. Tu prendras ta douce ce soir. T'es fini de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je ne suis pas cavalier. Dites que chacun sa route et chacun son chemin. Tu sais comment on dit les témoins de Jéhovah en chinois? Ding dong. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous laisse réfléchir. Bon, chacun sa route. Je suis sûr que chacun sa route, tu l'as écrit comme ça. Ouais. Et que le blues de Rakaï, Fabien et Nono, tu l'as écrit comme ça. Non, t'as dû. Non. Parce que tu sais quoi, le blues de Rakaï. Il doit y avoir une solution, mais ça, j'en sais certain. La pression met les jeunes sur de drôles de chemin. Toi, l'album, non, mais regarde, toi, tout l'album de Blues et Rakaï, en réalité, tu vois, c'est un album. En fait, c'est nos histoires qu'on se racontait tous, tu vois, c'est des histoires de chez nous. Mais le problème, c'est un album. Quand j'ai écrit cet album-là, je croyais que c'était le premier et le dernier, moi. Moi, je me prenais le truc, voilà. Et toutes nos histoires, là, c'est des histoires. N'importe quel type de chez moi, il aurait pu écrire les mêmes chansons en fait. Ouais, sauf tu parlais. Sauf que tu vivais. Il y a que j'ai été le premier à parler de ça. Te parle pas de London, n'était pas fond brésilien. Te parle pas de Kingston, n'était pas fond sicilien. Je te parle des ghettos dans les banlieues, tu sais bien parquer. Dans les grands ensembles immobiliers comme des chelais. Je te parlais de l'histoire de nos nouveaux Fabien. Le premier et des rebeux, le second quoi nous payait. Mais j'habitais la même cité, mais sont devenus copains. Il devait y avoir des envaleurs, premier l'art s'a tapé. Un mountain bike dans la cave d'un voisin. Pour devenir plus tard, les Dalton Parisien. Mais il y avoir une seule. Moi j'allais à Paris, il y avait des mecs qui étaient dans la musique. Ils étaient branchés dans la musique mais ils connaissaient pas nos histoires. Et nous, tu sais le grand changement qu'il y a eu en 90 quand on a commencé à faire de la musique en fait. Pour être un peu sérieux tout à l'heure. C'est que en 90 ça a été le moment où les H&M ils sont rentrés dans le reggae music. Et à ce moment là, eh ben, ça a été un changement parce que tout d'un coup, on était dans des problèmes. Alors la maturité des artistes de reggae tout d'un coup, elle a été mise à fond parce que le problème c'est que tous les artistes de reggae représentatifs entre guillemets, Leslie, il est décédé. J'avais un des collaborateurs avec qui, tu vois, ça s'est mal passé par la suite, qui est décédé, mais puis à son âme, Marc, Rod Lyon. Ouais, Rod Lyon. Mais c'est des gens qui ont marqué. L'histoire du hip-hop et du reggae. Quoi. Le tournant du reggae en fait. Le tournant du reggae. Pour pas Leslie, ça a été. C'était chelou. Qui a ouvert les premières portes. Tu sais qu'il habite à Château-Thierry. C'était une putain de gâchette lui. Et lui en fait, moi je l'aimais bien parce que c'était le premier type qui m'a ramené dans son système. C'est dimanche dans le ghetto. Il habitait dans un foyer près de chez nous. Moi je suis de Champigny. Et lui il était dans un foyer à Créteil et il faisait de la boxe. Et puis moi j'avais une petite copine, tu vois, dans son foyer, donc j'y allais et tout. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est ça. C'est qu'en réalité, le reggae, pour maintenant revenir un peu dans la musique, tu sais, ça réside dans un genre, juste un petit truc. Non. Un homme, c'est qu'un homme, mais un homme, c'est beau quand c'est franc. C'est ça la morale de l'histoire. C'est que si tu fais ta petite vie d'homme comme tu veux et tout, tu sais, non, le problème c'est que le rap t'oblige à être un peu d'une manière. Le reggae, tu peux faire ce que tu veux comme tu veux, tu vis ton petit truc comme tu veux. Et c'est à toi de bien vivre, de bien savoir quitter comme tu veux le vivre, et puis tu verras, tu vis ton petit truc.
Oui, c'est la Bible qui a beaucoup souffert. Nous sommes ici la Bible qui ne veut plus souffrir. Oui, c'est la Bible qui a beaucoup souffert. Nous sommes ici la Bible qui ne veut plus souffrir. Que tu sois dans la ville ou bien à la campagne, parce qu'il y a de nouveaux DJ qui vont choper les danses. Avertissement pour tous les sans-bois dans les parages. Ne les testez pas malheureux, il va y avoir de la casse. David de mes consciences, le rythme très très relax. Je suis méchant sauvage, j'écrase partout où je chatte. Je donne beaucoup de respect pour tous les boss de la capitale. J'assume tout ce que je dis, je suis un jeune responsable. Pas faire la tentation qu'à cause les pouvoirs des vannes. Les politiques ne sont que des canailles. Le crime, la prison, la police, rend la vie couchante. Émancipe-toi, c'est comme moi tu menaces. Ici, la Bible qui a beaucoup souffert. Moi j'ai 43 ans. Et ben, c'est à travers la musique qu'à un moment j'ai eu envie de savoir qui j'étais. Parce qu'avant je cherchais qu'une gagne moi en fait. Moi j'étais comme tous les mondes, je cherchais une gagne, c'est tout. Tu voulais bouffer puis, quoi. Et puis un jour j'ai eu la musique qui s'est mise dans, à travers de ma vie. Et ça a été vraiment un changement de vie. Aujourd'hui quelqu'un me regarde, il dit ben, écoute j'ai une belle vie, je comprends pas, mes enfants ils sont en bonne santé, ma femme bon, ben, elle a l'air d'être heureuse, moi je suis content de vivre ce que je vis, j'ai 43 puis je suis content. Ben, tiens. Mais en fin de compte, pour les gens, ils se disent, mais il est fou, lui. Il devrait être normalement avec les grands copains de showbiz et tout. Ouais, voilà. Mais le problème, c'est vrai, que... c'est même pas du factice. C'est que... Est-ce qu'on a essayé de te racheter? Est-ce qu'on a essayé de te racheter, de venir te dire, viens, on fait une tournée en 90? Non, mais attends... Des compilations. Je vais t'expliquer. Toi, tu sais même pas, mais j'ai déjà fait deux, trois petits hold-up en mode années 90 dans des discothèques. Hein, et pour gagner un petit peu de sous et tout. Et ouais, t'es allé faire tes discothèques, tes animations. Ah, mais je m'en fous. Ouais, mais tout va bien. Hein. Nickel, et puis s'il y en a un autre, attendez, bon, on fait un petit, on fait un petit arrêt sur image. Hein. Si il y a un disque jockey branché où il y a des jeunes filles beaucoup dans la boîte, et puis qu'effectivement on peut rentrer dans des budgets de 4 500 €, c'est avec plaisir que je viens chanter. Non mais bon, exactement. J'ai entendu jeune fille. Et tailleur laisse aussi. J'ai entendu jeune fille. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Alléluia, dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Hey, ça c'est du tonton David, en grande forme, toujours là, non, toujours là, tonton David. Mais là on va aller se coucher. Ça donne respect au top, pour les familles ici des blocs. Tous les membres du bitume légal, tous ces héritiers de souffrance. Et malgré tout s'en sortent, tous les membres du bitume légal. Respect au max, pour ceux qui n'ont pas perdu la raison. Tous les membres du bitume légal, quand Lucifer a voulu s'inviter dans sa maison. Oh oh, hey. Parce que c'est respect au top pour les familles issues des blocs. Tous les membres du bitume légal, tous ces héritiers de souffrance qui malgré tout s'en sortent. Tous les membres du bitume légal, mais respect au max pour ceux qui n'ont pas perdu la raison. Tous les membres du bitume légal, quand Lucifer a voulu s'inviter dans sa maison. Oh oh, hey, bouh. Respect au max pour ceux qui n'ont pas perdu la raison. Tous les membres du bitume légal, quand Lucifer a voulu s'inviter dans sa maison. Oh oh, hey, je renie pas mon passé, c'est l'essence de ma création. Je ne suis pas un rebelle sans cause. Je regarde l'Afrique avec les mêmes positions. Le vieux continent pour mes alliés repose. Je ne suis pas naïf, je ne suis pas crédible. Les plus puissants mènent le jeu, la justice recule. Je ne suis pas de ceux qui dépriment par désespoir. La vie m'en a tellement fait voir. La quarantaine révolue est toujours résistant. Tous ces années de bitume est toujours vivant, survivant. Comme le temps, je pense la tête haute. N'aie pas peur du temps qui passe. Surtout dit à tes enfants, dehors c'est la jungle. Va falloir rester vigilant, tu comprends. Faut dire la vérité aux enfants. Les temps sont difficiles, mais ils ont toujours été rudes. Pour tous les bons méfaits à dire. Souffrance, mais malgré tout s'en sort, tous les membres du bitume.